Détruisons l'enfance de Monique et tous ses rêves. Bonjour tout le monde, je suis Alice, aujourd'hui nous sommes pour la première partie du dernier procès de Phoenix Wright, Ace Attorney Justice for All, bla bla bla. Je sais comment a été tué le frère d'Acro. Je ne sais pas qui est le coupable. Mais si tout le monde dit que c'est Acro qui a tué Monsieur Loïc, c'est que ça doit être vrai. Allez, c'est parti. Ah bon, encore? Oh oh! Pardon, excuse-moi. Bah, tout le monde ne s'y attendait pas. Oh! Zut! Je l'ai plein. Bonjour à... Putain, ce gif magnifique, avec un oiseau qui se dépose sur sa main. Oh, rien que pour ça, ça mérite au moins 18 sur 20. Ça se tient, vu qu'il ne peut... il ne peut techniquement pas sortir de sa loge. C'est parti pour sa première déposition. Un gros bruit. Ça par contre, cela demande de plus ample approfondissement. Et ensuite, rêver. Les dernières phrases sont très très étranges. Je veux un contre-interroger, s'il te plaît. Et il vient de battre son record de 15 ans, 5 fois le mot idiot. Moi perdre, mais non, pas du tout. Ça n'est jamais arrivé. Je me souviens plus de pourquoi elle avait dit ça. C'est ballot. Ah là là, c'est ballot. Bon. Les premières phrases, je m'en contre-fous totalement. Ça, je m'en balance. Voilà, ça par contre. Cela par contre. Pardon ? Il doit modifier son témoignage dans ce cas. Une seconde. Il se contredit, mais directement ? Oh là là ! Mais ça ne va pas du tout ! Ah mais oui, ah mais totalement. Ah mais il y a une très très grosse erreur, je suis désolé. Freezy a clairement dit le haut de forme. Enfin, non, il a vu Max. Cependant, on a trouvé le haut de forme sur le du crime. On est d'accord. Oui. Non, en fait.
Alors, il est violet et il a une plume de paon. Voilà. Et non, il n'en possède pas deux. Il est unique. Accro, tu as menti. C'est pas bien. Tu mérites une baffe. Pour la peine, au coin. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, je parlais un peu trop vite, hein. Vas-y, dis-moi pourquoi. Hein, hein. Eh bien, tout simplement parce que... Il est le vrai coupable. Prise de risque incroyable. Et la musique est d'accord avec moi. Exactement. Mais du meurtre. Oui, bon, d'accord, je peux comprendre que ça peut paraître un peu con. Eh ouais. Je suis confiant, sauf qu'il n'y avait pas de spectateurs, c'est ça le truc. Enfin, si, il y avait Maya, mais elle comptait pas. Et qui a laissé la fenêtre ouverte? Réponds à mes accusations, salaud. Oh, qu'ai-je fait? Mon Dieu! Oui, je t'accuse, toi. Bon, j'ai pas toutes les preuves, mais je vais en trouver. Ouais, oui c'est vrai, d'accord, admettons. Je suis pas un ahuri, je suis moi quoi. Je t'adore public. Oui mais je m'en... Ouais sans doute que tu as falsifié par connaissance. Oui, mais en fait, j'en doute un petit peu. Alors, à tous ceux qui se pensent dans le dernier épisode, Monique est complice. À cela, je dis oui et non. Oui, parce que elle avait un truc dans la poche qu'elle a mis dans la cafétéria, ce qui a précipité la panique. Et non, parce qu'elle ne s'en est pas rendu compte. Donc, je bluffe. Eh bien, tu ne le sauras pas. Parce que j'ai pas envie. Et que tu es une salope, parce que c'est un coup de pute. N'est-ce pas, hein? Une entourloupe! Exactement! Il n'y a aucun complice, parce qu'il avait tout prévu. Et ouais, tout était calculé. Pour l'instant, je ne suis pas trompé. Espérons que ça dure. Ah merde, comment il l'a tué? Oh là là. De coups de bluff énorme que je viens de faire. Oui, qu'y a-t-il? En théorie. Monsieur Loche, comme s'il m'a présenté, vu qu'il ne peut pas se lever, vu qu'il a un certificat médical, était donc au troisième étage. Il n'a jamais quitté son endroit. Exact. Putain, il est fort ce juge. Il l'a tué de sa loge. Je suis pas fou, je suis réaliste. D'accord. Vas-y, prends-le bien. Prends-le bien. Oh. Mon bluff s'écroule tel un château de cartes. Qu'y a-t-il ? Certes. Il a pu se déplacer dans sa loge. Attention. Et utiliser les barreaux des escaliers pour se tenir. Il tourne. Mais non, ça paraît un peu con. Non, ça m'est déjà arrivé une fois, mais non. Et là, il a vu voler. Mais moi, je parie que tout ce qu'il a vu voler, c'est une cape. Vas-y, monsieur. Putain, vas-y, accro.
comment et Ah. Ok, alors avant de réfléchir, regardons mes preuves. J'ai un buste en bronze. M'en fout ça. Ah, en fait, sur cette photo, le buste en bronze, on le voit, mais carrément pas du tout. Un coffre en bois, bien sûr. Allez, vas-y, coup de bluff. On est d'accord que Léon est mort, Moni sert à rien. Moni, même étant un singe, n'est pas assez fort. Un flacon de poivre, oui, bien sûr, pourquoi pas. Attends, je regardais. Quelque chose donc de lourd. Et qui aurait disparu. Oh! Prends ça! Oh putain, t'es tellement fort. Exactement. Lourd. Oui, le mot qu'il faut retenir, c'est lourd. Elle comprend. Oui, alors en fait, je me suis basé sur un truc un peu con. La statue a disparu. Qu'est-ce qu'il fallait dire de plus ? La question cependant reste, comment elle a... Ouais d'ailleurs, comment déjà de 1, il a pu la récupérer, de 2, comment ça a disparu. Deux questions très importantes. Exactement, putain, tu es tellement fort. On peut tout faire si sur le Jason. C'est ce que je me pose. C'est ce que je cherche, ta gueule. Oui. Ah non. Excuse-moi, je n'ai pas compris. En fait, moi, j'aurais plus pensé à Moni. Eh bien, vas-y. Dis-moi des mots. Parle-moi. Non, pas ton fouet. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis ce que je veux. Un témoignage. Tu veux gagner du temps ? Je ne suis pas d'accord. Sauf que là, je me contredis. En fait, parce que quand moi je veux contre-interroger un témoignage et que l'autre veut pas. Bah voilà. Le respect. Du respect. Je vais t'en donner du respect à grand coup de pompe. Alors. Oui. D'accord. Ah ouais, c'est sûr que vu comme ça, à l'instant, quelque chose ne colle pas. Quelque chose ne colle pas du tout même. Voilà, quand moi je le dis, on me dit non, mais quand elle le dit, ça passe tranquille. La position de Monsieur Loyal. J'aimerais qu'il témoigne ce sujet.
Oui. Je vais attaquer cette partie. Il marque un point, mine de rien, là. C'est pas faux, mais quelque chose. Non, pas ça. Présenter, enfin je regarde juste mes preuves. Si. Mais si, mais carrément. Attends, j'ai juste vérifié si mon logiciel marche parce que avec 9 GBA, lorsque je faisais objection dans le micro, ça marchait. Est-ce que là ça marche avec le fait que ça ralentisse? Désolé s'il y a un petit ralentissement. Objection! Non, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, je suis dans le caca. Putain, le procès est le plus rapide du monde. Là. J'ai une réflexion de ouf. C'est pas vrai. Ah, je commence à stresser. Ceci est un coffre. Enfin, une photo de merde plutôt. C'est le coup, oui. Oh oui, tiens, mais qui a bien pu le mettre à cet endroit? Cela me paraît étrange. Exactement. Ah, merci monsieur le juge. La question cependant est... Ah, d'accord, il voulait reprendre ce qu'il y avait dedans. Je comprends mieux. Voilà. Ah, oh putain, la compréhension est... est vraiment géniale. Ça fait 20 minutes que j'enregistre. J'ai pas fait une seule erreur. Je joue super bien. Il me faut un marteau pour ça. Le marteau. Voilà, blague de merde. Ah, oui, la question étant. Mais c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Bon. Exactement, comme quoi il est très lourd. Excusez-moi. Voyons. Ça... taille, tu pourras le faire. Le poids du coffre, ça m'étonnerait. Le... Attends, bon, là, je suis obligé de me tromper au moins une fois. Mais je dirais bien... le contenu. Exactement. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je me suis raté. Je suis obligé de me tromper au moins une fois. Non, mais laisse tomber, c'est rien. C'est rien. Oui, absolument. Bon, on va dire le poids du coffre, voilà. On va pas se mentir. Oh, le bras, le à bras, le corps. Oui, d'accord. Et très gros, ça. Voilà. Ouais, ouais, aussi surtout. Hein. Il faut se
baisser. Vas-y, fais-moi une petite musique super cool. Putain, s'il te plaît, fais-moi une musique. D'accord. Si tu veux. Fais comme chez toi, tu veux peut-être un chocolat. Ah, et alors? Et qu'en as-tu déduit? Mon imagination. Et pourquoi donc? Parce qu'il faisait nuit, mon cul. Oui, je m'en souviens, à la cafétéria. Vas-y. Exact. Alors, Asselin, j'ai une petite idée. Un peu tiré par les cheveux. Mais une idée quand même. Combien de points de... Je prends combien de pénalités par contre? C'est tout ce que je veux savoir. Ça là encore. J'ai droit à 5 ou 6. Eh bien, en fait, je pense que c'est le singe. Voilà. Oui. Ah, juste ça. Non, le singe l'a volé tout seul. C'est ça le truc. Voilà. Ah, a priori j'ai raison. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait un trombone quand je suis arrivé chez lui. Donc, voilà. C'était pas un trombone d'ailleurs, c'était quoi? Oui, mais il brille quand même. Regarde, il brille. Regarde. En platine, ça brille le platine. Et ouais. Ah, qu'est-ce que tu... Putain. Est-ce que tu peux au moins faire une expression qui dit que j'ai raison? Ah, oh. La bonne question. Ouh, le manque de respect. C'est là la bonne question, en fait. Oui. Oui, sans doute, comme un... Ouais, c'est ce qu'on appelle un concours de circonstances. Voilà, voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite ellipse, je reviens tout de suite. Voilà, désolé pour le petit absence, mais la nuit, je suis dans ma chambre avec la lumière et il y a des papillons qui viennent. Donc en 10 secondes, ça rentre facilement dans la chambre. Alors, oui, exactement. Et ouais, et qu'est-ce t'en dis, hein? Et ouais, parce que j'ai des preuves, surtout. Comment ça, imposteur? Comment ça, imposteur? Quoi, le plus important? Le plus important, c'est à lire. Non, Benjamin Hunter. Ah, mais ça, j'ai une bonne explication, tu vas rire, c'est la cape. Ah, en fait, c'était une cape, en fait. Mais je te dis que c'était une cape. Exactement, oui. Oui. Ça, c'est sûr, d'ailleurs, elle pourra pas bouger, et assassin. Oui, quelle est-elle? C'est une personne. Merde, j'ai fait le coffre. Oh la connerie. Oh, c'est la connerie. Oh là, c'est la bite incroyable ce que je viens de faire. Oh là là, n'importe quoi.
Là, c'est la connerie. Là. La saleté. Mais je sais, je me suis trompé. Oui, non mais ta gueule. Voilà, en fait, c'était tout con. Tu vas rire, hein. C'était Loïc. What? Non? Merde alors. Mince, mais que c'est... Mais... Merde. Ah! Le buste, putain. C'est le buste. Voilà. Exactement la saloperie que tu es. Non, je sais la musique. Je ne passerai pas ce dialogue. Je l'ai attendu cette musique. Là, je peux passer le dialogue. Exactement, t'es dans la merde, tu peux rien faire. T'es dans la merde. C'est faux. Exactement. C'est ce que j'ai pensé au tout début. Parce que... Il est débile. Ah, la salle. Tu es un petit marron. C'est Loïc. Eh ouais. Eh ouais. Parce que... Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. On ne l'a pas placé, mais alors... Mais oui, je vais droit vers un mur. Ça va bon. Flashback. Nous sommes donc d'accord. Je dis ça sur une musique de fête foraine. Oh, le bruitage de fou. Oh, ce bruitage est énorme. Oh là là. Oh putain, encore mieux là. Par qui? Par le ventriloque, évidemment. Et Yvon est trop con. Voilà. Et là, il a reçu une superbe... Oh, très belle image. Magnifique. Alors là, c'était beau. Attention. Tada! C'est beau, c'est magique. La cape s'est envolée et s'est mise sur le buste. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Ah ouais? Ouais, j'ai pas fini. Et les enfants, le spectacle n'est pas terminé! Parce qu'en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit! Voilà, c'est ça le truc! C'était tout bête! Exactement, c'est ça, et c'est comme ça que, bah, c'est comme ça que ça a volé, en fait. Et attention, magie. Il vole. Tada. C'était un superbe spectacle. Magnifique transition, tambour. Voilà. Est-ce que... On peut enfin le mettre coupable. S'il vous plaît. Il m'énerve. Je t'aime plus trop en fait là. Je te déteste. Oui, donc.
Oui, merci. Bah, j'ai un chapeau, en fait. Ça compte pas? Non? L'épreuve et mon... Non, ton fouet est optionnel, en fait. Oh, des preuves, mais j'en ai une de preuve, je l'ai présenté au moins deux fois. Quoi? Une contradiction, exactement. Mais, alors, attends. Tu vas voir, c'est tout con. L'autre forme, juste ça. Et les symboles. Voilà. Et ben là, comme par hasard, il manque la cape. Voilà, on a une autre forme sur lieu du crime. Mais Frieza d'hier, j'ai vu l'assassin quitter libre avec une autre forme. L'autre forme, c'était le buste. Eh ouais. Tu peux pas tester. Qu'est-ce qu'il y a? Votre contradiction. Il y avait une autre contradiction. Ah oui, c'est vrai. Je peux l'expliquer. Comment puis-je l'expliquer? Oh! Est-ce que elle serait cachée par le... Ça aurait été décroché par les cartes de platine? Ou à l'arrière du buste? Exactement, je suis trop fort, tu peux pas te test. Est-ce que tu l'as un petit peu profond? Vas-y, juge. Peux-tu rendre ton verdict? De rebondissement et de trampoline. Voilà, j'ai refait une blague de... Bon, pareil que... Je savais qu'il allait y avoir un rebondissement là. Pareil. Je te permets. Eh bien, en quelque sorte. Pardon. Ah, pourquoi? Ah. Oui. Alors, est-ce que je peux refaire le coup bluff? Non, j'ai pas le droit, mince. On est dans le caca, voilà ce qu'on va faire. On va prendre un gros sac de caca et on va se les mettre dessus, on va marcher dedans. Oh, oui, merci. Je suis tout à fait d'accord. Oh, il est palpitant ce procès, monsieur. Je m'étais pas raté pendant 20 minutes, et puis après, je suis tombé, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait 2 erreurs, ça m'a ramené ma barre à moitié, c'est super chaud. Mais non, je sais là-dessus que je vous laisse, parce que moi, je vais continuer à enregistrer cette dernière affaire, et ensuite finir cet épisode qui m'aura pris quand même pas mal de temps. C'est vrai. Donc, je vous dis très bonne continuation, n'oubliez pas qu'on est YouTube, likez, les commentaires, de vous abonner à la chaîne YouTube, de suivre sur Twitter. Bonjour et à la prochaine.